Ça ne m'épate, je ne sais pas comment le dire. Il a produit et composé pour beaucoup de gens, oui. Pour Michel Thor, Pauline Renaud, Dalida, Jean-Marie, Corinne Hermès, Lovago, entre autres, et puis... Dalida. Dalida, je sais. Et puis, tu as produit Patrick Fiori quand il a chanté Mama Corsica. Oui, j'ai fait la chanson. Alors, en 1993, oui, absolument. Allez, on te retrouve chantant Dreaming Blue avec Sophie, puis ensuite Sophie Sang. Sauvage, quoi, quand même. Hein. Langolf, il écrivait le texte à la dernière minute. Rodagil, on le connaît, c'est pareil. Enfin, Langolf, la musique, pardon. Rodagil, c'est lui qui écrivait le texte. C'est deux grands auteurs. Et puis, ils m'ont mis dans le studio comme ça et ils m'ont dit, allez, vas-y, chante. Et elle adore chanter, elle adore ça. Bah oui, ça se voit. Elle adore chanter et elle devrait... Bah, c'est formidable pour avoir bien sûr. Un peu une continuité de l'actorat, quand même. C'est comme la danse, c'est comme le chant. Ça t'a pas donné envie de... Oui, mais bon, c'est un métier aussi, c'est-à-dire... et puis, il faut avoir, voilà, une vraie envie, un vrai... Une occasion, enfin, un texte, une musique, enfin, c'est autre chose. Je fais beaucoup de choses, déjà. Moi, je t'ai donné mon opinion, déjà. Il y a un public qui t'adore, il y a un public qui t'aime beaucoup, et ça peut être une carte postale que tu peux donner à travers des chansons. Il faudrait que tu t'investisses sur l'écriture, parce que je sais que tu écris très, très bien. Mm-hmm. Ouais, mais la route est longue. Ça, c'est certain. C'est une débutante. C'est certain. En chanson, voilà. Oui, c'est sûr. Tiens, c'est pour toi. Ouais, je l'ai déjà. Tu m'en as plus de France, ah, oui. Depuis longtemps. François et Sina, la tournée. Merci beaucoup. Merci, Michel. Merci. Merci. Alors, on va parler de théâtre.